Prière de la divine miséricorde de Sainte Faustine. Ô très sainte Trinité, je désire adorer votre miséricorde par chaque souffle de mon être, chaque battement de mon cœur, chacune de mes pulsations. Je désire être toute transformée en votre miséricorde et être ainsi un vivant reflet de vous, Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, votre insondable miséricorde, se déverse par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aidez-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aidez-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais du mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes œuvres, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aidez-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que votre miséricorde repose en moi, Seigneur. Vous m'ordonnez vous-même de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier, l'acte de charité, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. Ô Jésus, transformez-moi en vous, car vous pouvez tout. Veuillez souscrire et de partager le livret à qui vous le désirez. Merci. C'est l'eau.